Montréal, les oeufs. Anthony Yamego a pris son crédit. Oh. Anthony Yamego, il a réalisé. Yo. Regardez, Anthony Kouafi. Usually, when DJ Yao speaks, it is to talk about love or politics, hardly economics. If for the first time he departs from the rule, it is because the story of Antoine Yamiogo, known as Anthony, deserves to be told of in song. In less than 5 years, with no startup capital, this young man now has a hairdressing salon and an event equipment rental company. Antoine Yamiogo owes his success, first and foremost, to his passion for style and beauty, his courage, his financial responsibility and tenacity. Il a fonctionné 20 chaises au début, mais les gens ne prenaient pas. Après, avec le courage, j'ai fonctionné à ajouter. Et 40, 50, c'était là que ça allait. But neither his goal-oriented attitude nor his business savvy would be enough to make Antoine the success that he is today without CredArt, otherwise known as Young Entrepreneur Loans. This innovative financial product is a three-party initiative of the Burkina Network of Credit Unions, the Confederation of West African Financial Institutions, and the Support for Independent Development of the Luxembourg Cooperation. CredArt is tailor-made for young artisans who do not have any financial guarantee or collateral, but are eager to start their own business. Burkina is desperately lacking young people like Antoine Yamiogo. In this West African country of more than 15 million inhabitants, 72% of the population is under 35. The majority of most trained young people dream, first and foremost, of a job within public administration. Ce qui prévaut aujourd'hui, c'est la culture fonctionnariale. Notre système éducatif est beaucoup plus tourné vers la création de compétences qui devraient aller dans le sens du fonctionnariat. Et cela est remarquable et visible au niveau des concours de la fonction publique. Hein, rien qu'en 2010, nous avons eu 398 000 candidats au concours de la fonction publique, donc autant de jeunes qui ont une aspiration à devenir fonctionnaires. Ceci signifie que il n'y a pas une culture entrepreneuriale, il n'y a pas une culture de l'auto-emploi. To be self-employed, why not? But it's easier said than done. Pour le financement de ces jeunes, ça pose problème. Il y a leur situation économique qui est relativement faible, ne pouvant pas répondre aux conditions exigées par les banques classiques. Il y a également l'instabilité même des jeunes parce qu'on se rend compte qu'il y a cette notion de salariat qui intéresse beaucoup plus les jeunes par rapport au risque d'entreprendre la réalisation d'un projet. Il faut noter également la moralité, ça il faut le dire, de certains jeunes et je crois que cela ne favorise pas justement le financement de ces jeunes promoteurs. Given the risk, should we then abandon financing the youth? Si nous nous disons, écoutez, il y a un risque, il ne faut pas y aller, ça veut dire que quelque part, nous sommes en train de créer nos propres exclus. Et nous nous sommes rendus compte que cette jeunesse a un savoir et un savoir-faire. Mais il leur manquait un coup de pouce pour s'insérer dans la vie économique. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui nous ont poussés à segmenter notre marché d'offres de services en développant ce produit spécifique CredArt, le crédit aux jeunes artisans, pour booster ces jeunes afin qu'ils puissent s'insérer dans la vie économique. Today, the story of Isaka, Rosine, Gertrude, and Alan are proof that one can really trust in our youth. Oui, ça y est toujours là. C'est pour la Mercedes là. Oui, ça y est toujours là.
Ok, donc on commence à démonter. Okay, Isaka Sawadugu owns a garage. He set up his garage entirely through CredArt. After struggling for 7 years to find funding, this young boss now employs 7 people and has even taken on 1 female trainee. Je me suis installé, Dieu merci, avec un certain nombre d'éléments. Donc pour un garage aussi, je pense que ça ne peut pas de passer totalement comme ça. En tout cas, j'ai pu épuiser mon crédit au bout de 30 mois. Donc 2 ans et 6 mois. Gertrude Cam has been a seamstress for 7 years. She first worked in her mother's workshop before setting out on her own. Through CredArt, she was able to acquire new sewing equipment and participate in the latest edition of Burkina Faso's world-renowned Pan-African art exhibition and trade show in Ouagadougou, known locally as Siaw. J'ai pu acheter des machines de qualité qui font vraiment, je suis maintenant dans la demande. Et c'est grâce à ce crédit aussi que j'ai pu faire ma boutique. Parce qu'elle était là, mais elle était un peu simple. J'ai pu refaire la peinture, faire le plafond. Au Siaw, il y a eu d'abord la vente. J'ai vendu beaucoup d'articles. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de relations également. J'ai eu pas mal de rencontres avec beaucoup de structures où on a discuté de comment, après une école de couture, un élève peut s'installer et gérer son propre compte. Rosine Uidrago is also a seamstress. She started with 2 sewing machines. With the support of CredArt, today she now owns 10 and employs 8 people. She has staked her reputation on her creativity and imagination to sustain and grow her business. Le crédit m'a beaucoup aidé, vraiment. Le crédit m'a beaucoup aidé. Parce qu'avec ça, j'ai pris des machines, j'ai pris des tissus, des pains, j'ai essayé de réaliser, de créer des choses, revendre pour pouvoir encaisser un peu. Parce que quand on a pris le crédit, on nous a donné 6 mois, quoi, avant de commencer à faire le remboursement. Parce que nous, les couturiers, souvent, il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes aussi où le travail ralentit. Mais si tu vois qu'il y a des périodes où ça ralentit, et tout en chassant, tu sais que chaque fin du mois, tu dois verser quelque chose à la caisse, tu ne vas pas t'asseoir comme ça. Tu vas essayer de créer quelque chose, de réaliser, de revendre pour encaisser des sous et aller faire le versement. He is Alan Bationo, refrigerator repairman and electrician, a true believer in passing down his knowledge and experience. Si je devais travailler moi-même à mes propres moyens, sans l'aide, ça allait être compliqué. Ça allait être très compliqué pour avoir ces matériaux-là. Mais Dieu merci, comme ils m'ont donné, j'ai pu payer le matériel. Parce que si moi je devais travailler à mon propre compte, économiser cet argent pour prendre payer, j'ai pas moins de 5 à 6 ans de travail pour pouvoir faire ça. Mais en une année, on t'a poussé. Donc, ça veut dire qu'on m'a poussé. On m'a poussé un peu en avance. Et aujourd'hui, voilà que je forme des jeunes. Et ils sont avec moi au bout de 2 ou 3 ans. Et ils vont pouvoir se débrouiller. Moi, je les forme de telle sorte que si un jour il arrive qu'eux aussi, ils veulent ce crédit, il faut que psychologiquement, ils sachent que non, ce crédit, on leur donne pour qu'au moins ils puissent exercer le métier qu'ils ont appris et avoir au moins le matériel nécessaire pour travailler et savoir travailler ce matériel. The first phase of CredArt was carried out in 2 pilot credit unions, the Song Taba and the Sig Nongan credit unions in Ouagadougou, between March 2008 and May 2009. In all, 76 promoters, including 54 women, received 30-month loans ranging from 100,000 to 1 million CFA. Access to this financial product is targeted at 8 main groups: tailors, beauticians, welders, refrigeration and air conditioning repairmen, electricians, car mechanics, cloth dyeing and carpentry. To date, 23 of the 76 beneficiaries have repaid their loan in full,
As an incentive, those fulfilling their obligations received a bonus amounting to 5% of their loan. This promising result is due to the targeted nature of CredArt. Nous, avant de mettre le crédit en place, nous avons toute une série de formations que nous faisons à ces jeunes. Et l'appui conseil est régulier. Il est régulier et il est à trois niveaux. Au niveau de la caisse, ils vont faire ce conseil. Au niveau de la fédération, moi je suis à la fédération, je vais sur le terrain pour conseiller ces jeunes. Au niveau de la CIF, l'équipe qui est là-bas, qui vont régulièrement. Donc à trois niveaux, ces jeunes-là ont toujours de l'appui. Donc, or, avec les fonds que nous voyons, ça ne peut pas être comme ça. Et nous sommes vraiment aux petits soins. Nous mettons beaucoup d'outils à leur disposition et nous passons régulièrement voir s'ils utilisent ces outils. Et à travers ça, s'il y a des cadrages à faire, nous le faisons. Donc, je pense que ces jeunes même le reconnaissent. Ils reconnaissent que si on les avait laissés à eux-mêmes, on les passait le crédit, on les laissait à eux-mêmes. Ce n'était pas évident. Joel Sawadugu is a loan officer at the Songtaba Credit Union. Once a month, he visits Gertrude. Mais actuellement, est-ce que tu as un problème particulier? Ce suivi est important dans un premier temps parce que c'est des jeunes qui, au départ, ont eu des formations théoriques. Certains ont eu quelques formations pratiques en atelier, mais qui ne se sont pas installés en tant que responsables. Donc déjà, cela permet de leur accompagner dans la notion de responsabilité. Deuxièmement, il y a l'effet de pouvoir travailler avec un crédit. Vous savez que quand vous êtes sous la coupe des parents, c'est différent que quand vous empruntez et que vous avez l'obligation de remboursement. Donc déjà, ce suivi-là, c'est pour apporter non seulement un confort moral à ces jeunes et voir également comment l'activité évolue, parce que c'est très important. C'est sur les revenus de cette activité que le jeune pourra non seulement rembourser la caisse et devenir réellement propriétaire du matériel qu'il a acquis. Trained in marketing and management, these young bosses manage the balancing of their accounts and show proof of creativity. Oui, en fait, moi j'ai utilisé en marketing, je faisais même des modèles à des jeunes élèves là. Une fois qu'ils parlent à l'école, chacun se demande qui t'a fait ça. Donc ça m'attirait plus de clientèle au salon. But things do not always go as well as planned, because the path to success is often fraught with difficulties where we least expect it. Certains promoteurs ont eu vraiment des pressions de la famille qui pensent que le crédit qu'il a bénéficié de la caisse là, c'est déjà quelqu'un qui est suffisant pour apporter son concours, en tout cas, aux problèmes familiaux. On a vu des cas où on demande à un promoteur de payer la scolarité de ses petits frères, ce qui n'était pas prévu pour eux. En tout cas, le crédit qu'il a emprunté, ou soit c'est le papa qui est malade qui demande à ce qu'il puisse payer les soins. Et au-delà de ça, il faut dire réellement aussi qu'il y a certains jeunes qui, même dans l'esprit, n'étaient pas mûrs pour entamer véritablement une activité pour eux-mêmes. As for Alan Bationo, he was a victim of theft, losing in one night 365,000 seifa, an amount representing the purchase price of an air conditioner. Young entrepreneurs do not face these problems alone. They always find a sympathetic ear from the credit union or the CIF and associates. C'est des gens, aujourd'hui, ils veulent que les jeunes évoluent. Ça aurait été d'autres personnes sur place. Ils vont t'amener à d'autres situations où vraiment tu ne pourras même pas ni travailler ni chercher à évoluer. Alors que non, eux, d'abord, ils ont pris. C'est un risque. Et encore, ils nous encouragent plus à travailler davantage. C'est-à-dire que j'ai perdu l'argent. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ils ont pris note. Mais ils me poussent encore, ils me conseillent de laisser ce problème moralement, c'est-à-dire d'enlever ce problème de ma tête et chercher à avancer plus. With the CAMS, loan repayment is a family affair. Here, mom is keeping watch. À chaque fois que je fais des dépenses imprévues, elle me rappelle que j'ai
de ne pas oublier qu'à la fin du mois, j'ai mon prêt à les solder. Et souvent, elle-même, elle me dit non, si j'ai l'argent déjà au complet, de lui donner, elle va garder. Quand je serai prêt, quand je vais être là-bas, elle me remet et je pars faire mon versement. In the final analysis, Frederick Rumba, director of the Song Taba Credit Union, does not hide his satisfaction. He recalls that CredArt has been materializing the social purpose of credit unions, a microfinanced institution that resolutely fights against poverty and youth unemployment. Le CredArt a beaucoup contribué à l'installation des jeunes qui étaient vraiment dans le besoin. Ces jeunes ont fini leur formation. J'auscultais la nature, ils ne savaient pas quelle main magique allait venir pour les aider. Et le CredArt est bien tombé. Donc, ça, c'est vraiment un grand mérite. Voilà, ça a permis de créer beaucoup d'emplois. Voilà. Et passant par là, bon, en tout cas, ça a contribué, en tout cas, à l'amélioration du volet social. With nearly $50 million injected into the program and a return of $21 million, is CredArt not half a success? Le financement de ces jeunes, la rentabilité ne peut pas venir tout de suite. C'est une vision à long terme. On peut dire que le CredArt, c'est comme un produit d'appel. Parce que ce jeune que nous finançons aujourd'hui à 300 000 deviendra demain un entrepreneur qui aura des besoins de 2-3 millions. A vision that is undoubtedly optimistic, but not unrealistic. Antoine Yamiogo is living proof. He repaid his CredArt loan of 1 million CFA in 2009. He is on his second loan of 1.5 million CFA, taken under ordinary conditions, secured savings, collateral, and an interest rate of 9.75%. What do we do to ensure the future of professionals in every sector? La leçon que je tire en tout cas de CredArt est qu'il faut donner en tout cas la chance aux jeunes. Mais derrière, il faut toujours un accompagnement. Voilà. Parce que c'est un public en tout cas où il faut toujours un parrain parce que cela est important. La plupart des jeunes qui ont réussi, c'est qu'au niveau même de la cellule familiale, il y a une compréhension même de ce dernier par rapport à son activité et par rapport à son crédit. Donc, jeune et crédit, ça peut marcher, mais il faut forcément que le jeune, en tout cas, ait un parrain qui puisse le suivre, qui puisse être une caution morale pour eux. Parce qu'il faut dire que l'environnement est tel que les jeunes sont beaucoup tentés. Et quand il est laissé à lui-même là, c'est vraiment difficile. In 2011, six credit unions from Ouagadougou and that of Zinare, a nearby town, will be marketing CredArt on a larger scale, thus giving the definitive proof that the youth too have a place in business.